tu as vu, anime là. Là, tu tires dessus, là, c'est dommage. Hein. Ouais, tu peux secouer là, tu peux leur secouer la courge quand même, n'aie pas peur. Hein. Imagine, ils sont calés là dans 1m10, 1m20 de fond. Les mouches, si elles gigotent pas un petit peu, hop, là tu t'es fait avoir. C'est un peu dommage quoi. Là tu vois, c'est sur le posé là-bas que tu t'es fait. Hop, pareil. C'est sur ton posé là-bas que tu te fais avoir. Hein. Pareil, tu vas te faire avoir encore une fois là. Parce que ton posé, si tu veux, t'es en retard. Quand tu recales ton bas de ligne, t'es en retard. Là, hop, tu montes et maintenant tu décales, tu vois, là. Tu vas pas assez vite. Ouais, tu vas pas assez vite, ouais. Parce que dans ma région, il est moins vite, ouais. Ah, ici, il faut pas dormir, hein. Là, en règle générale, c'est ça qui fait que les gens surlestent un petit peu quand ils pêchent. Voilà, là, t'étais pas mal, là. Ralentis maintenant, hop. Voilà. Bien joué, celui-là est beau. Hein. Mais t'as vu, il y a eu 3-4 touches et il a vraiment fallu que tu le perdes au bon moment. Quoi. Là si tu descends pas, tu vas le perdre. Hein. Ah celui-là est beau. Hein. Allez. Ah ouais, celui-là est joli. Hein. Ouais, super. Ils sont beaux ces poissons. Celui-là est plus gros que l'autre encore. Hein. C'est pas encore un monstre, mais... Et dès que c'est profond, t'as vu la coloration sombre qu'ils ont ? Dès que c'est profond. Et après, si on en prend dans des zones qui sont moins profondes, par moments, ils sont même dorés. Celui-là, dis donc. Joli petit poisson. Hein. Superbe. Bon, ben, c'est bien. Hop. Ben, il est déjà loin. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté. Là sur le 2 là-bas je pouvais rien attraper. Hop tiens, là je me suis fait avoir, t'as vu? J'étais un peu en retard au départ là-bas. Et... Là s'il n'y a pas une touche là, c'est cuit. Deux, trois poissons vraiment actifs. Et là, ils sont moins. Hop. Tu les as calmés quand même. Hein. Peut-être reste un peu plus. Non, non, ils étaient par là. Ils étaient dans cette bouille là. Tu vois. Ah, si je me mets là. Hop là. Non. C'est de l'herbe. Là, elle est descendue très très vite cette planète, j'ai pas compris pourquoi. Là, là-bas. Pas de biche. Tu vois, au numéro 3. Il est pas vilain celui-là. Ouh là là! Ouh, je descends. Hein. Oh. Oh. Oh.
joli celui-là. Eh bien. Eh bien, bravo. Beau bébé, hein. Regarde ça. Ça, ça fait une petite quarantaine, hein. Tiens, tu me tiens les pilotes, s'il te plaît. Et t'as vu, il était devant nous, là, bien au fond. Et encore une fois, sur le numéro 3, hein. Allez, direct. Yeah. Celui-là aussi est pas vidé. Décroché. Il est beau, non? Ah oui, joli. Ouh là là. Ah ouais, beau poisson, dis donc. Ouais, bien. Joli poisson. Ils sont véloces, hein. Il est très froid là, et forcément ils ont de la sanquette, quoi. Hop. Eh bien voilà, j'espère que la découverte de mon petit coin de territoire vous aura plu et que la technique que je pratique en nymphe aussi, c'est une technique qui est très légère avec des toutes petites nymphes et qui sort un petit peu de ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre et que vous aurez envie de l'essayer et de la pratiquer dans le futur.